sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45, comme chaque matin, évidemment, y compris dans cette période de crise. On est en direct avec un acteur de l'actualité. Nous sommes en ligne avec Vincent Présumé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de la FSU dans l'Allier, la FSU, syndicat enseignant, bien évidemment. Il y a beaucoup de thématiques à évoquer. Une interview que vous pouvez suivre également en direct sur notre page Facebook. Et si vous êtes parent d'élèves, auditeur, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Évidemment, on essaiera d'y répondre. La première thématique que je voulais évoquer avec vous, c'est évidemment cette date du 11 mai pour la reprise progressive. C'est ce qu'a dit le président de la République dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. On l'entendait tout à l'heure dans notre journal de 7h30. La CGT est contre cette reprise progressive dès le 11 mai. Quel est le point de vue de la FSU dans le département ? Eh bien, on est dans les injonctions contradictoires. C'est pas nouveau d'ailleurs, mais ça devient un très gros problème. Donc on nous annonce que les cafés, les théâtres vont rester fermés. Par contre, des crèches au lycée, mais pas les universités, ça devrait rouvrir. Puis ensuite, il a été dit que ça devrait rouvrir progressivement. Alors nous, on a une inquiétude qui est celle de l'Ordre des médecins qui a émis un gros doute sur les vertus épidémiologiques, les contre-vertus plutôt, de cette opération. Donc pas plus tard qu'aujourd'hui, on a une visioconférence du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'éducation nationale dans l'Allier, où, comme on l'a déjà fait au niveau national, on va demander qu'il n'y ait pas de reprise, progressive ou pas, sans que tout le monde ne soit testé. Les élèves et les personnels pour savoir ce qu'il en est. Il serait temps que la France cesse d'être un pays sous-développé en la matière, parce que c'est vraiment une question de choix politique et de budget. Le fait qu'on ne soit pas capable d'avoir assez de masques, assez d'équipements, assez de gel et donc là assez de tests pour la population, ça commence à bien faire. Donc il est tout à fait normal que les gens s'inquiètent. En l'état actuel, ça ne peut pas avoir lieu. Après, nous, on est, je pense, comme tous les profs, comme tout le monde, on aimerait bien reprendre l'école, le boulot, la vie sociale, mais il faut que les conditions sanitaires en soient créées. Alors, faut être sérieux, quoi. S'il faut fermer les cafés et les musées, ouvrir les classes, est-ce qu'il s'agit de faire de nous une garderie pour que les gens retournent bosser ? Non, il faut que les gens soient testés en masse. Voilà. Mmh. Vous estimez donc qu'il est finalement trop tôt. Ce que les gens, c'est les témoignages en tout cas qui nous sont revenus, des parents d'élèves ne comprennent pas, c'est que les écoles, collèges, lycées avaient été les premiers à être fermés, finalement un petit peu en avance sur tout le monde, et qu'aujourd'hui on reprend en fait dans les établissements scolaires en même temps que tout le monde. C'est ça un petit peu le sentiment ? Absolument. La fermeture des écoles, collèges, lycées avait été annoncée par le président de la République juste avant le premier tour des municipales, en expliquant que de l'avis du conseil scientifique, c'était les principaux foyers de contagion. Et là, maintenant, on nous annonce que le retour à la normale, le déconfinement, va commencer par eux. Non, on est dans les injonctions contradictoires et c'est un gros problème. C'est un problème de démocratie, d'ailleurs. Faudrait arrêter d'infantiliser les gens. C'est peut-être effectivement très compliqué. Pour le gouvernement, ça peut se comprendre. Mais il pourrait nous dire, voilà les données du problème, voilà les données médicales, voilà la situation économique, voilà où on en est. Qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de mettre carte sur table et de miser sur l'intelligence collective et la démocratie, on nous lâche une date, le 11 mai, ça va redémarrer, vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut changer de méthode. Dans une situation pareille, ce genre de méthode est contre-productive. Mmh. Est-ce qu'il peut y avoir des refus de la part des enseignants, et notamment dans l'Allier, de dire je n'y vais pas, est-ce que c'est possible ? Est-ce que les syndicats peuvent accompagner ce type de démarche ? Il y en a bien sûr, il y a beaucoup de collègues qui y pensent. Alors, c'est un peu tôt parce qu'on espère bien quand même que ça va se décanter par nos interventions comme celles que je vous citais tout à l'heure au niveau des comités d'hygiène et de sécurité qui ont un rôle très important à avoir actuellement. Donc on espère que ça va se décanter, que ça va se préciser. Nous n'excluons évidemment rien en matière de droit de retrait, de grève, c'est un peu tôt pour le dire. Le moment actuel, c'est le moment d'alerter et avec l'opinion publique de faire pression pour qu'on ait une procédure sérieuse qui commence par les tests massifs.
Voilà, c'est ce que vous demandez donc la FSU, voilà. Notamment de l'Allier, donc des tests avant cette reprise dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Est-ce que vous avez des remontées d'inquiétude également des parents d'élèves, même si vous êtes un syndicat enseignant sur bien cette sûr. Question? Ah ben bien sûr, c'est pas difficile d'avoir des remontées. On est nous-mêmes parents d'élèves, on peut être prof, on peut être les deux à la fois. On a des contacts avec les organisations de parents d'élèves et on partage pleinement leurs inquiétudes, hein, évidemment. Autre thématique, évidemment, depuis un mois maintenant, un petit peu plus, même l'école se fait à distance finalement. Est-ce que aujourd'hui, cela marche finalement pour tout le monde? Alors, plutôt que de parler de continuité pédagogique, il vaudrait mieux parler de suivi social et scolaire à dimension pédagogique. En proclamant qu'il allait y avoir une continuité pédagogique et que tout était en place, notre ministre a été contre-productif parce que c'est du pipeau. Hein. Tout n'était absolument pas en place et bien sûr qu'il y a des inégalités. Bien sûr que tout le monde n'est pas dans la boucle, mais bien sûr aussi que ce qu'on est en train de faire est extrêmement important au niveau du lien avec les élèves, avec les familles, et n'a pas un rôle que pédagogique. Donc il faudrait reconnaître ça pour ce que c'est réellement, le prendre en compte, parce qu'il faut quand même signaler que les collègues, moi-même et tout le monde, c'est avec notre matériel hein, qu'on travaille, à nos risques et périls, le matériel, il peut des fois fléchir. Et donc, les choses en sont là. Il faut pas faire croire qu'une fois que tout le monde ne va plus à l'école, l'école continue. C'est pas possible, ça. Et c'est contre-productif de faire croire ça. Est-ce que il y a des difficultés, évidemment, de toucher certains élèves? C'est une réalité, ça? Mais bien sûr. Alors, il y a à peu près un dixième des élèves qui est totalement hors circuit, mais au-delà, c'est très inégal. Et les inégalités sociales qui ne viennent pas de l'école, mais que celles-ci peinent à combattre, sont évidemment accentuées. Bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une crise, évidemment, que l'on ne pouvait pas prévoir concrètement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire finalement on n'était pas prêt, personne n'était prêt finalement? C'est ça qui est compliqué. Alors, certes, mais ce que nous critiquons de la part en particulier de notre ministre, c'est que lui, il a dit « on est prêt », alors qu'on ne l'était pas et que tout le monde le savait très bien. Donc, franchement, ça n'a pas aidé. Ne pas être prêt, ça peut être pardonnable. Prétendre qu'on est prêt alors qu'on n'a pas de test, pas de masque, etc., et que sur le plan informatique, on n'est pas au top, ça, c'était coupable quand même. C'est plus la communication en fait que vous remettez en cause, tout ce qui a été dit. C'est pas que de la communication, enfin oui bien sûr, il peut y avoir des communications très contre-productives, mais là c'est loin de se résumer à la communication, hein, parce qu'on ne fait pas tourner une machine comme l'éducation nationale quand elle a du mal à tourner en prétendant qu'elle tourne. Et je voudrais ajouter que on était en pleine crise sociale quand la crise sanitaire est arrivée. Il y avait la question des retraites qui a été suspendue, il y avait la question du bac. Par exemple, les nouvelles dispositions pour le bac, bon, c'est un moindre mal, il était difficile de faire autrement, mais ça devrait être l'occasion, là aussi, d'avoir un débat démocratique, de tout remettre sur la table, de suspendre les contre-réformes en cours et de dire, bon les gars, comment on fait quoi? Un débat de fond, finalement, justement, sur cette question du bac, c'est la solution la moins pire, en tout cas, qui a été trouvée, selon vous? En l'état actuel, je vois mal comment ils pouvaient faire autrement. Hein. Mais la solution annoncée concerne le bac des élèves actuellement en terminale. Il y a le nouveau bac qui a commencé dès la première, avec les fameuses 3C, contrôle en cours de formation mouvementé, qui avaient commencé à se dérouler, qui sont suspendus eux aussi. Donc nous, on demandait le retrait de ces mesures, on le demande toujours, et on pense qu'en fait, la crise sanitaire pourrait être une excellente occasion, si le pouvoir voulait bien, de suspendre tout ça et d'avoir un grand débat démocratique le plus serein possible sur comment faire.
Il nous reste une petite... Malheureusement, ça n'en prend pas la voix, oui. Ouais, il nous reste, désolé hein, Vincent, présumé, il nous reste une petite minute juste pour aborder les mesures de carte scolaire qui sont débattues. Oui. Je crois qu'il y a un comité technique spécial départemental demain, avec les zones rurales qui sont épargnées, mais selon vous, le compte n'y est pas quand même avec cette balance à zéro enseignants dans le premier degré dans l'Allier. La balance est à zéro et il a quand même fallu fermer des classes pour pouvoir ouvrir ailleurs, notamment sur Montluçon, les écoles Kergomar et Paul Lafargue, à Vichy, les écoles Alsace et Beauséjour. Il y a aussi des suppressions dans les réseaux d'aide, les réseaux ruraux d'éducation, pour pouvoir mettre en route des remplacements, des moyens de remplacement, sans oublier les collèges, et je signale en particulier la zone du Bocage avec les collèges de Sérilly, de Cône, de Vallon. Mmh. Donc non, le compte n'y est pas. On a, tous les syndicats ont été amenés à voter contre cette carte scolaire, d'où la reconvocation du comité technique demain. Je voudrais ajouter qu'on est en train, dans l'Allier, d'avoir un problème quand même de concertation. Ce comité technique départemental, figurez-vous qu'il n'y avait eu aucune réunion de toute l'année 2020, hein, pas seulement du temps du confinement. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Oui, la question se pose. Il est démontré à nouveau qu'il faudrait des moyens supplémentaires. Et puis de plus, vu l'ampleur de la crise sanitaire et les effets économiques et sociaux, c'est quand même compliqué de faire des prévisions pour la rentrée. Il aurait été plus sage de faire un moratoire sur toutes les mesures de fermeture. C'est ce que disaient également cette semaine sur notre antenne les parents d'élèves de l'école Pauline Kergomar, qui seraient donc concernés par une suppression de classe à la rentrée prochaine. J'ajoute qu'il risque aussi d'y avoir une suppression en cinquième à la SECPA de Désertines, ce qui pose problème aussi, bien sûr. Merci Vincent Présumé d'avoir été avec nous en direct ce matin. Au revoir. On rappelle, secrétaire de la FSU dans l'Allier, JFM, il est 7h57. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Écoutez RGFM pendant le confinement. Fabrice passe vos dédicaces tous les matins de 9h à midi. Envoyez vos messages par